Exo était appelé par des tours machines qui les attiraient à elle. Mais la seule révélation qui les attendait, c'était les Vex. Quand les Exos sont arrivés ici, les Vex attendaient. Ils se sont acharnés sur l'esprit des Exos, les poussant à la folie. Selon les légendes, les Exos se sont débarrassés de leur propre tête pour s'échapper, et leurs corps sont devenus des sans-têtes.
connexions dans le réseau Vex n'en sont que plus impressionnantes. Espérons que vous aurez autant de chance face à l'esprit Vex qui hante ce secteur. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait en un siècle. Et c'est presque vrai. Leur transformation a peut-être commencé avant leur arrivée sur Europe. Peut-être même avant qu'ils ne deviennent des exos. Je vous remercie pour votre aide, gardienne. J'enquête sur les rapports. Toutes deux lueurs sur les sans-têtes. Un jour, vous avez interrompu un combat entre les cabales et les Elixni ici même. Mais d'après les archives de l'avant-garde, d'étranges monstres ont commencé à hanter le champ de bataille après votre départ. Thank you.
lui.
peu dramatique. Quoi qu'il en soit, cette mission nous a apporté plus de questions que de réponses. Comment ces monstres sont-ils arrivés? Une fois l'anomalie découverte, les mineurs ont commencé à signaler d'étranges créatures rôdant dans le secteur. La plupart des gens pensent que c'était des hallucinations, mais pour certains, c'était les sans-têtes. Partiellement dû à une terrible et incurable insomnie. Je n'ai jamais dormi. C'est vraiment si bon qu'on peut devenir un meurtrier si on en manque. Peut-être que vous devriez faire une petite sieste après ça.
travail, gardienne. Notre victoire sur la ruche empêchera leur magie de s'étendre. Pour l'instant. Mais quelque chose me dit qu'il n'y a pas que de la sorcellerie de la ruche derrière les sans-têtes. Au cas où, nous ferions bien de poursuivre nos recherches. J'ai essayé de contacter les Elixni dans ce secteur pour savoir ce qu'ils pensent des sans-têtes. Et ils ne se sont pas montrés très accommodants. Je suis bien content qu'on ait choisi la manière forte. Cet équipage a massacré plein de bons gardiens. L'heure de la vengeance a sonné. Oui. D'après la légende, les sans-têtes cherchent continuellement leur spectre perdu. Si le corbeau me perdait, il ferait sans doute de même. Ah oui, je suis tout seul.
ethnie du coin semble avoir établi un rapport avec les sans-têtes. Je me demande s'ils arrivent à communiquer. Ça va pas durer. Pas de quartier, gardienne. Un destin funeste, gardienne. Si les déchus me capturent, qui chantera pour endormir le corbeau ?